Termine avec du sport, Guilhem. Exactement, et c'est une exclusivité Europe 1 pour la première fois depuis l'éviction de Corinne Diacre, la désormais ex-sélectionneur de l'équipe de France féminine de foot. Wendy Renard, la capitaine des Bleus, s'exprime. Au micro de Jacques Vendroux, elle revient sur sa décision de quitter la sélection et se met à la disposition du futur sélectionneur, même si elle le sait. Sa prise de parole sur les réseaux sociaux pour dénoncer les méthodes de Corinne Diacre pourrait laisser des traces. Bah forcément, il y aura une suite à tout ça. Maintenant, faut aussi que le prochain sélectionneur ait envie de travailler avec moi, parce que vous savez très bien que dans ce milieu et dans ce monde, à partir du moment où vous dites ce que vous pensez et pour essayer de faire avancer les choses, vous dérangez et vous devenez une cible. Donc je sais que je serai attendu, mais je sais pourquoi je l'ai fait et je pense que le haut niveau demande exigence, travail, rigueur. Plaisir. Voilà, il y a des choses qu'il fallait changer. Donc après, j'ai toujours pris mes responsabilités et je les prendrai jusqu'à ce qu'on m'enterrera. Wendy Renard, défenseur de l'équipe de France de foot, au micro de Jacques Vendroux. Entretien à retrouver en intégralité dans Europe 1 Sport, présenté par Lionel Rosso de 20h à 23h.